Passe nécessairement par un appui conséquent, une subvention directe conséquente et subséquente, en tout cas à toutes les entreprises de presse, comme cela se fait ailleurs dans tous les pays démocratiques, dans tous les pays développés, dans tous les pays modernes. Voyez-vous, la presse est un moyen essentiel, en tout cas de la société, qui assure une fonction régalienne de l'État, qui assure une fonction régalienne en tout cas du gouvernement, qui est le droit au public à l'information, le droit du public à l'information, ce qui est important, étant le prolongement vraiment de l'État dans l'assurance de cette fonction régalienne, il est important que, en contrepartie, l'État aide, apporte un appui important à la presse, afin que nos entreprises de presse qui sont sous perfusion puissent être stabilisées et que les salaires des journalistes soient garantis pour l'émergence d'une presse responsable et de qualité.
Cela s'est fait au Ghana, cela s'est fait au Sénégal, cela s'est fait au Burkina même, pays compté parmi les plus pauvres. Nous pensons qu'il est temps aujourd'hui que le niveau de vie des journalistes ivoiriens soit à l'image, en tout cas, de la puissance économique sous-régionale qu'est la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Non, c'est bon, vous constatez que malgré cette fine pluie, les journalistes viennent. Dieu merci pour ce second tour, ils ont pris des dispositions avec le comité d'organisation pour multiplier les bureaux de vote. Donc il y en a trois. Les journalistes votent, vous voyez que c'est vraiment très fluide. Les journalistes s'expriment. Et évidemment que les choses continuent ainsi. Et qu'enfin, enfin, le congrès se termine sur une très, très, très bonne note. Et que les journalistes viennent, comme nous avons l'habitude, voter avec conviction. Dieu merci pour ça que la sécurité y est. Toutes les communautés ont été respectées et que le vote se passe très bien. Et qu'enfin, on peut sortir de ce congrès avec un président élu et un bureau du conseil exécutif et du conseil d'administration élu. En tout cas, merci beaucoup et bonne chance à tous. Je lui donne un bilan. Je suis le président.